sonité papa ya orphelin banabitike musungi abave. Combien? Ah, d'accord. J'envoie ma femme demain. Vous lui remettez beaucoup cet argent-là. Tout. Vous remettez tout l'argent que vous avez. Remettez. Et puis, dès qu'elle arrive, vous m'appelez. Je veux savoir à quelle heure elle est arrivée. Et elle quitte, vous m'appelez. Je veux savoir à quelle heure elle a quitté. Parce que moi, je n'aime pas de bêtises. De bêtises. C'est bon. Dis-toi demain, tu me dis à quelle heure tu vas quitter ici pour aller récupérer l'argent. Et de là, dès que tu quittes, tu m'appelles. J'ai quitté. Et tu arrives, tu me dis je suis arrivé. D'accord? C'est bon. D'accord, la réponse est d'accord, c'est bon. Ok. J'ai pas été humilié ici devant ton ami, je t'ai humilié comme ça simplement. T'as dit combien j'ai payé pour sa dot? Toi. Elle t'a dit combien j'ai payé pour sa dot? Il faut dire à tes amis, je n'ai pas badiné. Ah. Junior, je ne sais pas si tu vas continuer à mini-vie, mon corps, tu t'enfermes, mais quand il y a histoire, mon robot. Tu sais, je vais te dire un truc. Tu sais, quand tu marches, hein, au Tambo Nanzela, au Beti Libaku, au Zoki, au Vandinase, tu commences à pleurer. Ok? Plus tu restes là, assise en train de pleurer, tout le monde qui viendra pour passer, à mon avis, Junior, à Beti Libaku, place à Nazo Lela. Ok? Or, au Beti Libaku, tu saignes, mais tu t'élèves. Tu continues ta route. Petit à petit, tu continues ta route, la douleur. Petit à petit, plus tu avances, plus douleur est okay, aussi là. Et c'est comme ça que tu vas continuer la vie. Tu ne vas pas rester, tu t'éternises là où tu t'es cogné. Et Kangivina, non. C'est juste la déception que tu as eue avec Daily. Considère ça comme espace Mokobeti Libaro. Ne restez pas là. Lève-toi, continue ta route. Plus tu avances, plus la douleur est bandokende, mouke mouke. Tu sais que c'est pas facile, Vini. Ça, je sais. Tu sais au moins que je souffre. Je sais. Moi, je trouve qu'il y a de la préméditation dans cette histoire. Daily savait que son père, Alina, qui a accepté relation, Nangana était. Mais elle s'est quand même permise. Il y a quoi accepter que je. Ma famille. Est-ce que Junior, connaissant Daily telle que je la vois, ok, ce n'est pas une fille à balabala, ok, ce n'est pas une fille à balabala, c'est une fille qui a une très bonne éducation, c'est une fille quand elle s'est décidée de t'amener et pas ma parent n'ayant qu'une romane à Bango, je ne pense pas que c'était un coup monté ou un dosalango par rapport à le comorbu, non, réellement Daily t'aime. Bien qu'elle soit mariée aujourd'hui, mais moi je sais, Daily t'aimait. Imagine que Daily a supposé papa parent naïe à Tchimoutouma Kasi à l'obi Daily à Obala Mobalonate. Elle va seulement se marier avec Junior. Ok, les parents acceptent, mais les parents refusent de venir à votre mariage. Ok? Les parents acceptent la décision de leur fille, mais refusent de venir à ton mariage. Qu'est-ce que tu allais devenir? Qu'est-ce que tu allais faire? Vous avez mis la coca? Oui, moi. Normalement, je voulais prendre une mesure. Au whisky? Oui. Je laisse le Fanta. Mais le médecin m'a dit que mon cœur commençait à saigner et qu'il n'était pas prudent pour moi de continuer à consommer le whisky. Non, c'est sérieux. Madame, c'est sérieux. Vous avez fait la nutrition? Non. Non, pas du tout? Non. Ok. À votre santé. Merci beaucoup, madame. Qu'avez-vous fait aux humanités? Je suis désolée, monsieur.
Ok. Ça va. Ouais. Moi j'aime celle qui est qui a un conflit là. L'autre fille là. Hein? Ouais. Elle, quand elle vous sert, vous, vous partagez. Celle-ci, elle est, à tout moment, elle a les humeurs ailleurs. Généralement, lorsqu'on parle, on cherche à partager avec, avec une femme, c'est avec un but. Toi, tu veux partager avec elle, pourquoi? Non, bah, mais attends. Attends, s'il te plaît. Qu'elle te tienne compagnie, simplement, c'est déjà, ça. Déjà, je la préfère pas trop parce qu'elle a le teint de Francisca à la maison. Hein? Les centres de tous les malheurs du monde. Parce que là, quand tu parles déjà de Francisca, les humeurs vont changer. Ça va tendre donc pas longtemps ici. Tu sais, Joël. Bonjour monsieur. Parlons du coup, voyons ça. Tu vas bien? Je vais bien. On vient de parler de toi. Ah bon? Ah, c'est gentil. Ça va? Vous sentez tu avais totalement raison, non, mais... je te jure. Tu as eu son sourire. Bien oui. On parlait de ton sourire tout à l'heure. Tu es tellement accueillante. Ah, merci. Vous avez besoin de quelque chose? Sûrement, j'avais juste envie de te voir. Ah, mais je suis là. Tu ressembles à ma femme. Ah bon? Ouais, enfin, vous avez le même teint. Elle s'appelle Naomi. Ah, d'accord. Ah. Yes. Hein? Tu es vraiment comme si vous étiez sœur, quoi. Hein? À chaque fois que j'entre ici, c'est bien toi dont j'aimerais bien, n'est-ce pas, bénéficier de votre service. Il n'y a pas de souci, je suis là. Mais de toutes les façons, toutes vous êtes gentilles. Hein. Ah, ouais. Même l'autre là, apparemment aujourd'hui elle n'est pas d'humeur. Mais vous avez dit que c'est moi qui étais la plus gentille. Non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème vous deux. Ok, mais le menu vous avez déjà... Apportez-nous le menu et tout ça. Merci. Ah, merci madame. Voilà, le femme qui rayonne. Non, mais t'as pas totalement tort, je te jure. Cher ami, le choix que je fais entre Francisca et Naomi... Voilà que la preuve par neuf il a. La noire vient avec son visage chiffonné. Elle ne sait pas accueillir, mettre tranquille. Elle n'est pas accueillante en fait. Elle ne sait pas bûchonner le client. Mais regarde comment celle qui rayonne s'est emmenée d'elle-même. Elle vous présente le menu et tout ça. Celle-là, tu as fait quoi aux humanités? Désolé. L'option désolé aux humanités existe. Déjà, laisse-moi te dire une chose. Et en c'est fait, comme ça que Francis a pourri ma vie. Je comprends. En fait, tu es en train de faire le parallélisme du monde extérieur à ton monde conjugal. C'est ce qui te tue, en fait. Tu n'arrives plus à vivre pour toi. Tu vis maintenant par rapport... C'est la raison pour laquelle... Excuse-moi, je t'indexe pas. Mais c'est la raison pour laquelle je t'avais dit, mon ami... Il faut s'imposer. On n'est plus au 17e siècle où on mettait des gens dans des camisoles de force pour leur faire de choix. Pour leur choisir de choses qu'ils ne veulent pas de foi. Tu parles de mes parents. Mais excuse-moi, parce que tu es mon frère, je te connais très bien, mais je ne t'ai jamais senti dans ton couple, jamais du tout. Jamais du tout, jamais. Oui, Joël, tu as raison. Parce que tu sais... Francisca n'a même pas un nez qui me plaît. Son souffle m'agace les oreilles. Son regard frustre mon âme. Sa taille m'embête. Ses joues sont... Francisca, des joues qui dérangent. Ok. Des joues qui dérangent. Comment tu peux avoir un excès de joues comme ça? Elle peut déhancher, mais bon, pour moi, c'est comme si elle... Elle prenait la poudre des scampettes, je sais pas, elle est tout d'elle est désordonnée. J'ai comme l'impression qu'elle a un autre homme qui te plaît. Parce que de là à lui faire un enfant, c'est qu'elle a un autre homme qui te plaît. Le sexe avec Francisca, c'est un accident. Hein? Tu vois, à défaut d'avoir ce qu'on veut, on s'est content de ce qu'on a. Accident mon œil. Je te dis. Non, ben, moi aussi je te dis. Parce que si réellement elle te déplaisait à ce point, ben, je pense bien que tu n'aurais même pas à la regarder. Hein. Parce que ça nous arrive des fois, votre parent, ou soit votre papa, votre maman, vous impose un choix. Et bon, d'accord, comme c'est le choix de parent, j'accepte ça comme tel, mais je ne satisfais pas ce choix-là. Je te fais une confidence. Ça nous arrive, en fait. Je te fais ça. Ok. Tu sais, Junior, à ta place, j'allais vraiment m'y réjouir.
Peut-être que Daily est absente dans ta vie et pour le moment, elle est plutôt dans le bras d'une autre personne. Mais tu retiens quelque chose donc qui est très important pour sa vie. Et cela ne va jamais changer. Tu as toujours son cœur entre tes mains. Jamais. Tu devais au moins dire merci à Dieu pour ça. Oui, elle s'est mariée, mais elle s'est pas mariée par amour, c'est par contrainte. Et je peux te garantir que la même douleur que tu ressens ici présent, papa. Elle le vit aussi dans son mariage. Elle le vit aussi. C'est pas facile, hein. C'est pas facile même de deviner que tu vas faire une vie avec une personne que tu n'as jamais calculée. Même dans tes rêves les plus fous. Si, si. Et à côté, tu es toujours là et elle n'a peut-être pas, elle n'a peut-être plus l'opportunité de te parler, de partager ce qu'elle voulait. Tu sais, elle souffre aussi. Tu sais, les femmes quand elles se réunissent comme ça, Babette Amasson à Bango, elles se parlent toujours des bigoudis. Moi, j'appelle ça des bigoudis. Les histoires des hommes. Mon homme, c'est ci, mon homme, c'est là. Donc, si Sylvie te le dit, c'est que c'est vrai. Parce qu'entre Bango Bafi, Babette Amasson. Junior, la vie continue. Tu dois continuer la vie. Il y a, à un moment donné, quand on est dans une relation amoureuse, on pense que cette fille-là, à la terminus, il y a Nyonson. Que toute la vie tourne tout autour de cette fille. Ok, mais il arrivera. Et au moment quand vous vous séparez avec la fille, au fur et à mesure tu vis, tu évolues, tu commences à comprendre. Oh, mais qu'est-ce que je me disais? Nabanda ouvana personne pourquoi? J'ai pensé que c'était la fin du monde. Et maintenant voilà, aujourd'hui j'évolue, j'ai rencontré une autre personne et puis la vie continue, je vis. Tu vois? Tu dois mettre ça en tête, Junior. Tu es un homme, tu es un assistant, tu es intelligent, tu as toute la vie devant toi. Ok, tu as toute la vie devant toi. Sylvie, les assistants ne sont pas épargnés. Là-bas, choc et amour, ils ont amour. Ne dis pas que je suis un assistant, que je dois me contenir forcément. Non. Tu sais quoi? Laisse respirer ton cœur. Et ton cœur, je sais que ton cœur peut au moins faire quelque chose sur cette situation. Moi, je me dis qu'il y avait préméditation. Elle savait la position de son père. Parce que moi, je sais, les filles qui refusent le choix imposé. Et puis, Junior, tu n'aimes pas la prière. Non, les choix imposés par ton père. Dans le temps, les filles prenaient seules leurs décisions. Papa, ça dépend de l'éducation aussi. Il y a moi, la mousse à Colena Katanda, où elle n'a pas ce droit-là de se poser à ce que ses parents lui disent. Ça dépend aussi de l'éducation. C'est pourquoi je t'avais dit au début, là, Daily. Quand tu la regardes, c'est une fille issue d'une bonne famille, bien éduquée. Si seulement tu pouvais voir son visage les jours de son mariage, peut-être que tu n'allais même pas passer ton temps à pleurer à tout moment. Elle a accepté un mariage par contrainte, comme Sylvie l'a dit. Elle était triste. On est obligé de la faire comprendre, laisse-la faire sa vie, de la motiver. Laisse-la vivre son mariage. Ok. Laisse-la faire sa vie, laisse-la vivre son mariage et toi... Concentre-toi sur ta vie. Regarde ton travail, regarde l'avenir et surtout, tu dois prier pour que Dieu te donne la paix du cœur. Je dégoûte les femmes maintenant. Non, ce n'est pas une raison. Je dégoûte toutes les femmes. Il m'arrive de fois de... Mais on va trinquer à quoi? On va trinquer à la vie d'abord. Moi, je n'aime pas une vie rose. Non, mais s'il te plaît. Trinquons à l'amitié, tout simplement. Il m'arrive de fois de... d'avoir de relations avec Francisca, le visage bandé. La bandé dans ton esprit? Non, je la demande de bander son visage. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est... Ah, merci beaucoup, madame. C'est très gentil de votre part. Ah, ok. Ben moi, j'ai déjà mon choix. Moi, j'ai mon choix et j'ai que laisse choisir. Vous n'avez pas mon choix. T'en fais pas, il choisit d'abord. Ok. Mais vous souriez pas? Un petit sourire, ça fait du mal à personne. Demandez à la dame blonde de m'apporter son menu. Et toi, tu m'appelles, tu m'apportes maintenant. Il n'y a pas de menu, il n'y a que ça. Je souhaite prendre
prendre le menu de la dame mais blonde. Mais tout est là, non? Madame, je souhaite prendre le menu de la dame blonde. Ça, attends, c'est maintenant, attendez, attendez, ne faites pas attention, ne faites pas attention. Moi, vous m'amenez juste ça. Monsieur, c'est moi qui s'occupe de cette table. C'est ce que je dis, ne faites pas attention. Ok, j'appelle quoi? Amenez-moi juste ça. Poisson. Poisson okay. Et vite. Ok. D'accord. Et vous, monsieur? Désolé. Sois un peu flexible, s'il te plaît. Tu es un peu archaïque. Non, madame, je suis désolé. Désolé, ça veut dire quoi? C'est désolé. Désolé, c'est manger. S'il y a un plat désolé, tu m'amènes. Ben, il mange généralement tout ce qui est missionnaire. Vous avez les volumes, c'est quoi, Yonas? Ah, il y a aussi désolé. Madame, si vous avez un plat désolé, apporte-moi ça. Au cas contraire. Avec plaisir. D'accord. Je vais mettre du piment. Non, mais franchement, ça te va pas ce que tu fais. C'est comme elle boude vraiment comme Francisca. Mais elle le fait exactement parce que toi, tu l'as provoqué en amont. Seigneur. Je comprends quelque chose. Hein. Je n'ai pas de chance avec les femmes noires. Bon, je passe. Joël, tu es mon frère. Tu peux, toi, être le baromètre de ma peine. Ce qui est vrai, j'ai épousé Francisca par contrainte parce qu'elle fait le choix de ma famille, elle est votée à l'unanimité par ma famille. Voilà, elle est mon épouse parce que c'est avec elle que j'ai été devant l'officier de l'état civil. Mais mon cœur appartient entièrement à Naomi. Et là, j'ai l'impression que la distance s'agrandit. Là, j'ai l'impression de perdre petit à petit Naomi. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Je sais, ça ne doit pas être facile de la convaincre. Mais avec ton soutien, je sais que c'est possible de demander à Naomi d'attendre un tout petit peu. Tu sais, j'ai la certitude que je finirai par mater cette situation et faire d'elle non seulement ma femme, mon épouse, la mère de mes enfants. Écoute, je ne te garantis rien du tout, tu es mon ami, mais bon, tu sais, moi je parle avec elle. Et c'est ça même. Est-ce que tu peux encore enfoncer mon frère? J'aime cette fille. Tu n'as pas à me le dire, je sais que tu l'aimes. Ah non. Tu sais, ton bonheur fait mon bonheur. Moi je serais beaucoup très à l'aise si je viens chez toi à la maison et puis voilà, je trouve un accueil chaleureux et je sais que cet accueil tu l'auras pas avec Francesca. Non, mais avec Naomi ça sera possible. C'est quasiment impossible avec Francesca. J'abandonne pas, toi tu es mon frère, j'abandonne pas. Je n'arrêterai pas de lui parler de toi comme je le fais. C'est que je sens tout au fond de moi qu'elle est en train de m'échapper. C'est possible. Quand bien même qu'elle reçoit mes appels, elle m'appelle d'un... parfois, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certaines règles. À 20h, tu es à la maison. Je ne sais pas, t'appeler à minuit, etc. C'est vrai. Bon, c'est avec elle. Hein? Moi, je lui ai dit, tu m'appelles quand tu veux. Mais bon, elle a souhaité... placer certaines disciplines, je comprends, mais je sens qu'elle n'est plus là. C'est normal, on est à Kinshasa. Hein? C'est normal, c'est une très très belle femme. Quand elle marche dans la rue, c'est tout le monde qui en bave. Et ben, c'est normal. Tu as compris, hein? Oui, bien sûr. C'est aussi possible que je te froisse pas, mais c'est possible qu'elle trouve quelqu'un. Ah, j'ai tué quelqu'un. Ça sera ni la faute de cette personne, Joël. Ni la faute de Naomi. Joël. Moi, je vais la sonder, t'en fais pas. Moi, je la sonde. Dès ce soir, je la sonde. Joël. Je vais te dire quoi, ok? Est-ce que tu imagines ça? Là, qu'on vienne me piquer Naomi. Naomi à moi. Ma femme à moi. Mais mon avenir. Non, mais ça sera pas du pic. L'étoile qui brille. Ça sera pas du pic. Déjà, tu enlèves ça de ta bouche, ça sera pas du pic. Parce qu'actuellement, elle est libre, toi, tu es occupé. Qui est ce garçon qui peut oser? Qui est ce garçon qui peut oser me prendre en Naomi? Mais c'est tout le monde. Toi, on est à Kinshasa.
Mon cher, Kinshasa, non, mais attends. Mais je vais rosser quelqu'un. Naomi. Mais non, mon temps, c'est sur hasard. Avec quel argent? Sur la gueule de ma cassure. Quel... Oh non, 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 pour Naomi, je suis Samson, mon cher. Pour Naomi. Eh, mais non, je suis cette grande puissance. Je sais que tu as fait les sports, je sais. Mais attends, je connais tout le tour. Tu viens, ma chère, voilà, moi je suis monsieur Patrick, je vais te... Mais monsieur, tu ne me prends pas ma femme. En fait, il y a une distance qu'on doit observer entre avoir une épouse et une femme. Oh, Libala, Libala. Vous savez qui parle, assistant junior. Ah ouais, j'ai le sujet que le mariage a échoué. Donc l'assistant junior est d'Aïti. Ah, mais toi, tu n'es pas... Mais toi, t'appelles un merde. Tu es au courant de rien. Tu es au courant de rien. Dans la vie. Ilinga. Tu sais dans la vie, quoi. Ilinga. Allez. Toi, tu ne sais pas. Yaya. Non, mais t'es sérieuse, là. Ou bien tu ne sais pas que Daily se marie mais à une autre personne. Qui t'a boyé? Natiki. Ah, Natiki était comme un dame. Vous êtes mauvaise franchise. Mauvaise par rapport à non, quoi? Non, Daily ne s'est pas mariée. Daily a épousé. Elle ne s'est pas mariée. Daily, non. Voilà. Daily ne s'est pas mariée. Elle a épousé. L'épousant. Elle est l'épousée. L'épousant de papa. Ah, imposé. Voilà, ma femme, pardon. Entre guillemets, ta soeur assistant génial, ça va? Tu n'as pas remarqué? En deux jours, on a eu un peu que la salle est fière, Oh, c'est vrai, J'aime pas ça, allô, assistant. Tension combien? 6 sweets! Tout la glycémie! Aïe! Zéro! Miséricorde! Vie miséricorde! Oh, Libala, Libala! Et où t'es qu'il en a? On est là? Veux-tu me pousser? Non, je ne peux pas te pousser! Pourquoi? Papa veut pas les bacongos! Papa va épouser un mari mon loupard! Malheur! Non, papa ne veut pas des assistants! Papa n'aime pas l'argent de professeur! À partir d'aujourd'hui, ma mère en ferait! L'argent de syllabus, c'est l'argent de syllabus! C'est pas bien, c'est pas bien! Akita! Yo, qu'est-ce que tu fais de nous enseigner? Pas de poisson salé hier. Madame, j'avais oublié de vous dire. Oui. J'avais oublié. Je suis désolée. Ça, c'est quel désordre? J'avais oublié. C'est ce que tu trouves comme réponse. Tu es malade?
Ah, moi j'avais oublié. Alors que ça, c'est notre spécialité. Hmm? J'étais un peu débordée. Débordée en quoi? On vient ici pour travailler. Madame, je fais presque tout. Ma chérie, l'argent n'est pas facile. Hein? L'argent n'est pas facile. Il faut travailler pour en avoir. Il va d'abord servir le client. Tu ne souris pas pourquoi? Hein? Quand on sert un client, il faut avoir une bonne mine, il faut un peu de sourire. Vas-y. Elle n'est pas la seule fille qui peut te rendre heureux pour toute ta vie. Tu dois vivre ta vie. Tu sais, moi, ce qui m'étonne, Junior n'a toujours pas compris que quand on parle de la vie, là, il y a la réussite, il y a l'échec, on trébuche, on s'élève, on continue la vie. La vie continue. Ça, tu ne veux pas le comprendre. Tu ne peux pas t'éterniser sur place parce que tu as perdu quelqu'un, parce que la personne que j'aimais s'est mariée et je, toute ma vie doit se résumer là et qu'on me retrouve tout autour, il y a espace. Non, non, ce n'est pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que tu fais. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est ce que tu fais. Bonsoir. Non, moi, je suis là, je suis à l'aise, je suis tranquille. Monsieur, est-ce que je peux avoir un certain ce qui est passé, est passé. Hein? Moi, j'aimais plus ça en tête. Si réellement c'était pas, si tu n'allais pas avoir ça sur ta table, parce que moi je te connais pas avec ça, mon assistant. J'ai pas le droit de prendre une tête. Pardon? Ah, j'avais oublié de vous dire que j'avais de la visite. Bonsoir. Tu l'as mis. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, chérie? Tu vas bien? Oui, ça va. Tu m'attends là. Ok. Ah, une gardienne. mon petit ami est dehors. Si elle en s'appelle, hein? Elle est mal à l'aise ou quoi? Ma présence la met mal à l'aise ou comment? Bah, ça, je sais pas. Ah, ok. Mika! Oui, madame. Non, c'est pas moi. Et toi, tu prends quoi? Bonjour, madame. Je sais quelque chose. Du jeu. Du jeu. Alors, chérie, ça va? Ça va bien, mon amour. Et toi? Trop bien, ça va. Sinon, la journée, ça a été. Tu n'avais pas vu qu'il y avait des clients. Je suis très heureux de te voir. Tu connais ce monde-là. Plenty. Et qu'est-ce que tu faisais là? Bon, on avait une petite discussion avec Vini. Bon, on est déjà presque à la fin, c'est pourquoi je t'attendais et puis on fera route ensemble. Ah, ok. Et donc, c'est Vini? Ouais, c'est Vini. Ok, il est ami à l'autre là? Bon, non, c'est au fait, on était dans la même promotion à l'université, là où vous êtes. Non, mais chérie, je veux savoir ce qu'elle faisait là. Qui? La fille. Bon, chérie, il ne faut pas entrer trop dans le détail, tu sais. C'est une amie, hein? À moi. Ok. C'est une amie à moi. Maison qui pue l'alcool comme ça. Hein? C'est quelle histoire? Francesca? Francesca? Tu es seule? Quel est le problème? Donne-moi. Maman, Normie s'est mariée. Normie s'est mariée, maman. Elle s'est mariée à un garçon. Que taille suvette est lancée. Il a la calvitie.
Je suis triste, maman. Parce qu'aujourd'hui, même si j'ai divorcé, je ne reprendrai plus jamais Naomi. Elle est à quelqu'un maintenant. Et moi, ton fils, je reste malheureux. Maintenant, le problème, c'est quoi, maman? Je sais qu'en me donnant cette fille comme femme, tu souhaitais mon bonheur. Mais au fond, maman, l'amour n'est toujours pas rationnel. Alors, chérie, ça va? Mais qu'est-ce que tu as? Non. C'est bon. Chérie, tu sais, tu dois vraiment arrêter de me faire la tête, d'accord? Parce que si je suis là, c'est pour toi. Ok? Alors tu dois arrêter de me faire cette tête et sourire un peu. Allez, viens là. Tu sais, moi je t'aime, hein? Moi je t'aime et j'ai vraiment envie d'être avec toi. Alors, si tu, dans ton entourage, il y a personne qui t'aime, mais moi je suis là. Je vais t'aimer, je vais te chuchoter, te caresser parce que tu es mon amour. D'accord? Allez, chérie. D'accord? Le mignon, mignon tonton. Oui. Amène-moi aussi à boire, ma chérie. Je. Une bière glacée. Je dois vous laisser. Je sais pas. Je dois vous laisser. Je sais pas. Je peux me déplacer, comme ça vous allez continuer votre conversation. Pardon? Tant mieux. Tu veux de la visite? T'en es invité là. Je vais rester là pour faire quoi? Tu veux que j'assiste à votre conversation, à votre discussion? Bah, ça ne me dérange pas. Ça te dérange, chérie? De toutes les façons, on n'a rien à cacher. J'ai un homme beau, donc j'ai pas honte de toi. Hein? Et j'espère que toi non plus, t'as pas honte de moi. C'est pas ça? Mais tu veux arrêter de me faire la tête, chérie? Allez. Mais écoute, moi je suis là pour toi, d'accord? T'es un bel homme et tu t'es regardé. Tu es beau, chérie. Donc, dans tous les cas, tu ne mérites même pas une fille qui t'abandonne pour un homme qui ne t'arrive même pas à la cheville, chérie. Tu mérites une fille comme moi, qui t'aime et qui est belle. Voilà. Allez, maintenant souris-moi. S'il vous plaît, madame, je suis avec quelqu'un derrière. Ok, tu prends quoi? Vous nous avez demandé du jus? Oui, oui. Et puis vous la servez aussi. Hein? Ok, merci. Bon, je suis patiente. Hein? Vous parlez de quoi? Non, non, ça va, ça va. Ça va. On discutait entre hommes. Hein? Ah, ok. Ouais. Alors, moi, je suis là, non? Tu trouves pas qu'il est trop beau? Mon homme? Si. Mon homme? Junior? Mon homme? C'est ce que je dis, Junior? Oui, oui, Junior. Oui, il est beau? Oui. Allez, santé. S'il vous plaît, madame, il n'y a pas de musique ici? La musique? Bah oui. Non, mais c'est un endroit calme, on n'est pas musique. Ah. C'est un restaurant calme, on reçoit des personnes qui n'aiment pas trop le musique. Bah ouais, je comprends. Moi, en fait, j'ai un niveau, parce que j'aime du boom, donc je ne supporte pas trop les endroits calmes. C'est pour moi. C'est pas pour moi. Bah je n'apprends rien du tout, hein. C'est ma préférence. Pourquoi? Donc.
Voilà, j'aime du boom. Junior a tu dois comprendre qu'il y a certains endroits où on ne fait pas du boom. Il y a certains endroits où on demande à ce que ça soit calme. Comment t'es sauf? Merci. Okay. Ça aussi, tu dois le savoir. Là, moi, je fais comme pas ces gens vont. C'est pas partout qu'on doit faire la fête. Merci. Ok? C'est pas partout qu'on doit faire la fête. Ok, merci. Il y a des restaurants où on demande alors, à ce que... Alors, chérie, on cherche un endroit plus mouvementé, non? Tu comprends? Mais on peut mettre pour vous le guide musique. Non, non, madame, ne vous dérangez pas. On ne peut pas déranger tous les clients. Si on a, pourquoi pas? Non, on ne peut pas les déranger. Non, mais si on a, pourquoi pas? Notre boutique là fonctionne. Merci beaucoup. Sinon, on cherche un endroit du monté. C'est ce dont il a besoin en ce moment. C'est pas ça? Mais vous. Non, mais maman, si ça ne dépendait que de faire plaisir à ma mère, je te jure sincèrement que je serais déjà amoureux de Francisca. Mais hélas, je n'arrive toujours pas à l'aimer. Mon cœur ne sait pas sécréter des sentiments vrais et réels pour elle. Au point d'haïr même les fruits de mes entrailles. Je ne sais même pas aimer l'enfant. Regarde à quel point je souffre. Et si je fais ça, accepter d'épouser Francisca, maman, c'est parce que je t'aime. Je n'ai pas souhaité te voir souffrir. J'ai dit, je dois épouser cette fille. Malgré moi, je dois l'épouser. Je dois épouser cette fille pour faire plaisir à ma mère. Je dois épouser cette fille pour atténuer la douleur. Tu vois un peu ce que l'amour peut engendrer comme sentiment. Parce que je t'aime réellement. Dans mon cœur, je t'aime pour de vrai. Et j'ai sacrifié mon avenir pour faire plaisir à ma mère. Donc pour Francisca, je pouvais faire mieux si mon cœur, si seulement mon cœur pouvait l'aimer. Et maman, je n'ai pas été capable d'aimer cette fille. Même en restant avec elle, en passant des nuits ensemble, je n'ai pas su l'aimer. Regarde-moi aujourd'hui. Naomi est partie comme ça, maman. Chérie. Maman, moi je vais mourir. Mourir. Non. Je ne saurais pas vivre sans Naomi, maman. Non, mon cœur. Comment je vais vivre? Écoute, à l'heure où je te parle, elle est l'épouse d'un autre gars. Écoute, mon cœur, tu es ma raison de vie sur cette terre. Tu es ma raison de vie. La seule raison pour laquelle je peux rester en vie sur cette terre, c'est toi. Ah, pas de mort. Je chasse cet esprit qui t'anime en ce moment. Je le chasse. Maman. Et je te promets. Je suis allé prier pour cette histoire. Je te promets. Je suis allé demander à Dieu. J'ai dit, Dieu, il faut en dire sur le cœur de Naomi qu'elle n'accepte pas la traque ou le traque des autres garçons. J'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Dieu, Seigneur, garde Naomi pour moi. Je sais que je finirai avec cette histoire. Mais Dieu, même Dieu m'a abandonné, maman. Oh non, c'est ce que je disais. Il y a des endroits, si tu veux écouter la musique, si tu veux faire la boum, la fête, il y a des endroits appropriés pour ça. Il faut apprendre aussi que dans des restaurants, il y a des endroits calmes où les gens n'aiment pas trop la musique. Okay? Ça fait partie des bonnes manières. Donc, on ne peut pas déranger la liberté des autres. Ah, okay. Parce que moi, je vais écouter la musique, on va mettre la musique et puis mettre les autres clients mal à l'aise parce que moi, je le veux. Ok, merci. Ça n'a pas d'essence. Comment tu trouves? On cherche un endroit plus calme. Plutôt, pardon, vous m'avez influencé, plus mouvementé. Je sais pas. Je ne pense pas que ça soit une... Bah, chérie, tu sais, si je suis là, c'est pour toi, ok? Donc, je suis venue te faire changer les idées. Et je ne veux pas rentrer chez moi sans accomplir ma mission, ok? Donc, c'est soit tu changes d'humeur, soit je m'en vais. Ok? Tout ça c'est pour toi mon chou, ok? Donc
pas de musique ici, on va ailleurs et après on verra ce qui va s'offrir à nous. Qu'est-ce que tu en dis? Je n'ai rien à dire. Comment ça, tu n'as rien à dire? On est là. Vivons et dès que tu auras besoin de manger quelque chose. Donc tu vas laisser ça pour Daily, c'est ça? Okay. Madame, si, non, si, s'il te plaît. Non, madame, non, s'il te plaît. Je m'adresse à mon homme, ok? Mais quand tu es entré. Junior, tu vas laisser ça pour Daily? Quand tu es entré quand même. Non, mais pourquoi je suis venue alors? Tu l'as trouvé avec des gens? Ben, vous vouliez partir tout à l'heure. Quand tu es entré, tu l'as trouvé avec des gens. On était en train de parler, de discuter. Okay? De quoi? Donc, si tu veux l'amener, bon, tu pouvais attendre, nous laisser le temps de finir. Non, vous étiez en train de discuter. Vous parliez de quoi? Pour qu'il soit dans cet état. Parce qu'il avait déjà oublié cette fille. Et si moi je suis venue, c'est parce qu'il m'a appelé. Alors je ne peux pas me déplacer, venir, et que toi tu te comportes comme ça, chérie. Tu veux te rivaliser avec quelqu'un qui n'existe pas. Je ne veux pas me calmer. Tu veux te rivaliser. Donc moi je suis là et toi tu penses à une autre femme. Tu te rivalises avec quelqu'un qui n'est plus. Ne me stresse pas, s'il te plaît. Ça n'a pas de sens, madame. Tu sais que ma tête a besoin de calme. Ça n'a pas de sens, s'il te plaît. Tu changes d'humeur, ok? Ok, d'accord. Alors, je disais, ça va? Oui, ça va. Allez, souris. Mi? Madame. Oui. Excusez-moi, madame, c'est vous la responsable de l'endroit, de l'espace? Oui. Propriétaire. La propriétaire, ok. On a un petit souci, je ne sais pas si on peut vous demander conseil. Allez-y, allez. Ok, d'accord. Arrête. Allez-y, quoi? Je vous en prie. C'est quoi cette histoire? Je ne sais pas si ça sera possible. Vas-y. Mais elle est occupée, la dame. Elle est occupée. Mais non, Junior. Et si tu veux parler à la dame, tu n'as qu'à te lever, aller vers elle. Non, moi, On n'a pas besoin de savoir, parce qu'on suppose que je la considère comme ma maman, comme... ok? Donc, si j'ai un conseil à demander, si j'ai une question à poser, je peux facilement le dire. Je suppose que c'est privé, ta question. Oui, nous avons un petit souci. Junior. Mais comment ton ami peut se comporter comme ça devant moi? Mademoiselle, mais laisse-lui parler. D'accord, madame, ça sera possible qu'on revienne même une autre fois pour en parler. On a besoin d'un petit conseil. Elle vous a interdit de parler? Non, ce n'est pas elle qui nous a interdit, c'est juste que nous respectons les visiteurs, les clients qui sont là de l'autre côté. Okay. C'est juste par rapport à ça. On peut revenir une autre fois pour... C'est bon, ça ne me dérange pas. D'accord, madame, d'accord. La vie, la vérité, le chemin. Mon sous-souté, c'est au Yesu. Zela ou eko sapate, c'est zela na yo. Bayo ki sa masonite, papa ya borfelin banabitike, mosungi ya babe. Mobiki si oyo asikolanga ye, liboso ya baguna nanga, alongolanga na maboko, ya bayini banga. C'est avec assurance na koyemba, Yesu azali misungi nanga. Natango ya pasi Olobi na ngai Atie liboso na yo bandila mibale Kufa, bebomo Kasi olobi na ngai Ona bomo Na eko susula ete yondo